Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous me recevez une fois de plus sur votre petit écran. Il s'agit de Ramzy le Dinhéré, l'émission Fafa. Et cette fois-ci, on est avec un artiste qui, franchement, fait parler de lui. Alors, c'est ce monsieur-là, en face de moi, la merveille, Punky DiCaprio. Ça va, mon frère? Ça bouge un peu, non? Pour les personnes qui ne te connaissent pas réellement, tu sais que toi, tu n'es plus à présenter, mais il y a des personnes qui ne te connaissent pas réellement, qui ne savent même pas comment tu as commencé et tout, tu vois. Donc, est-ce que tu peux donner de façon brève, est-ce que tu peux raconter un peu ta genèse, la genèse de ta carrière de façon brève? C'est Funky DiCaprio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Funky DiCaprio, artiste, chanteur, concepteur, créateur de la danse. Fatigué. Je suis artiste ivoirien, mais d'une Côte d'Ivoire. Voilà. Qui est entré dans la musique en tant que disjockey, mais aujourd'hui artiste en plein temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'aventure fatiguée a commencé? L'aventure a commencé à la rue Princesse. Ils se sont appris dans mon dos, c'est-à-dire j'ai eu un jeune palu de près de 2 ou 3 semaines parce que moi je venais un peu tôt à la cabine. Donc après ça, j'allais faire la promo, j'allais partager les CD, tout ça. Et ils se sont appris à mon insu. Ça a donné ce que ça a donné. Moi, je pense que rien ne vient au hasard. Voilà, le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a fait grâce au fait. Mmh. D'autres personnes disent qu'en ce moment, tu étais en concurrence avec beaucoup de gens qui avaient sorti Fatigué aussi. Voilà, il y avait à l'époque les Mousseurs, il y avait Didier TV3 aussi. Ouais. Voilà, notre frère Saint TV3 aussi qui avait sorti Fatigué. Ouais. Voilà, et il paraît que ça avait même créé 2 clans. Il y avait le clan de Charlie Parker et TV3 Le Boing, voilà. Puis il y avait le clan de Jagan Aboué, dont toi tu étais, voilà, le poulain et tout, machin. Voilà, mais les gens disaient que vraiment il y avait, c'était la quasi-guerre, quoi, tu vois. C'était la guerre, c'était vraiment la guerre. Moi je ne me proclamais pas parce que TV3 là-bas c'était mon ami. C'était dans la rue, moi j'étais à la station, j'étais au dernier 14. Donc on s'est partagé les CD, mais tu sais, quand tu joues un son, tu vois que t'as pas le son, tu couilles, tu vas dans une cabine, moi tu prends le CD. Donc c'est comme ça. C'était la famille, donc je me vois pas, moi je me vois pas en train de m'apprendre à TV3. Moi pour moi c'était bien pour lui, pour la communication, pour lui sa communication. Mais le ciel c'est la terre, c'est tout le monde sait, je sais, il savait que c'était ma chanson, voilà, il fallait aussi qu'il ait un peu de force. Tu vois, avant la base de couper décalé, c'est quand un gars crée un concept et puis après tu prends, tu te donnes un peu de force avec ça, la force du couper décalé en fait. Donc ça ne me gênait pas. Mais c'est l'idée est venue peut-être du staff de TV3. Voilà. Du staff de TV3, il fallait forcément faire croire aux gens que c'était la guerre entre moi et TV3 pour que ça crée un boost, voilà, un buzz, un truc comme ça. Voilà. Bon, moi je ne comprends pas, Funky. Tu dis que. Alors, toi et TV3, il n'y a aucun problème et tout. Alors que bon, nous, on a appris que Funky DiCaprio et son vieux père Jagan Aboué cassaient les CD des autres artistes qui faisaient fatigué. Hein, Funky DiCaprio, c'était lui le casseur de CD à la rue. Donc tu veux dire que ces personnes ont menti, quoi. On dit que c'est le bail, c'est quoi? En fait, toi, tu l'as. En fait, cette émission-là, c'est l'une des meilleures émissions que je rate pas. Je suis tous les jours. Et tu es la meilleure personne placée pour faire cette émission. Parce que on peut rien inventer quoi devant toi, tu vois. Là. Je sais pas quel artiste de notre temps, je parle du coupé des galères, je parle de Mewé machin, pas du coupé. Je sais pas de quel artiste de notre temps qui va te dire quoi que ce soit que tu ne saches pas, tu vois. Tu sais comment est-ce que le fatigué est né? Non mais laisse-moi, réponds aux spectateurs. Ok, tu sais comment est-ce que c'est né, n'est-ce pas? Tu sais, le concept a pris par pure grâce et c'est Dieu qui a donné, tu vois. Le ciel m'en est témoin. Dieu même sait que j'ai quand même aussi fait mes petits efforts de prière. Tu vois. Tu peux pas demander la lumière et puis en même temps les ténèbres. Quelqu'un qui a passé ses jours à être en prière, en jeûne pour que sa chanson marche. Ne pas casser CD. Tu sais, j'ai dit le buzz, les propagandes sont nées. À cause du problème s'est passé entre TV3 et moi. Tu vois. Donc chacun dit ce qu'il peut dire pour pouvoir ternir l'image de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui va se lever pour dire Funky DiCaprio m'a fait un tel truc. Il n'y aura personne. Demande à qui tu veux. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Funky DiCaprio m'a fait tel truc. Il n'y a pas quelqu'un parce que je n'ai pas ce temps à vouloir peut-être offenser ou même manquer de respect à quelqu'un. Moi, je n'ai pas ce temps. Si je cassais le CD, TV3 allait me dépasser.
Je dis ça tous les jours. Si moi j'ai cassé celui d'un artiste, fatigué là, TV3 allait me dépasser. Je n'ai pas ce temps. Bon, alors, qu'est-ce que tu dis de M. Fimé Nanga? Voilà, j'ai fait une émission avec lui qui a été ton producteur de l'époque. Voilà, qui disait que tu n'as pas été reconnaissant, que tu as été ingrat vis-à-vis de lui, qu'il t'a sorti du trou, il t'a sorti, tu étais dans la boue, dans les herbes, il t'a fait sortir du noir pour t'envoyer la lumière. Et après, M. Franck DiCaprio n'a pas été reconnaissant. Et je suis sûr que tu as regardé l'émission. Alors, qu'est-ce que tu dis de cela? Je te donne le droit de réponse. Mais chacun a, moi, je pense que chacun a sa façon d'appeler, de nommer voilà, ce qui lui déplaît. Tu vois? Moi, un enfant peut me manquer de respect. Je peux dire non, que c'est un enfant têtu. Tu vois? Je peux dire non, cet enfant, il est têtu. Hein. Mais à quelqu'un d'autre, la personne va dire, ouais, mais il m'a manqué de respect. Tu vois? Chacun a sa façon à lui de nommer ce qu'il veut. Moi, je pense que, moi, personnellement, je pense qu'il sait. Fimé Nanga, c'est que M. Fimé Nanga, il sait très bien que je n'ai jamais. Je ne lui ai jamais été ingrat. Voilà. Mais pourquoi il le dit devant les télés? C'est qu'il y a quelque chose, Franck DiCaprio. Bon, c'est ce que je te dis là, que chacun a sa façon de nommer ce qui lui déplaît, en fait. Tu vois? Parce qu'il dit. Personnellement, oui. Je n'ai jamais été ingrat, M. Fimé Nanga. Je sais qu'il y a eu des problèmes de thunes. Il dit que souvent, tu t'es caché même pour aller faire les spectacles, il t'a même attrapé à Paris. Il a même arrêté le spectacle. Il a expliqué ça dans l'émission. Qu'il est arrivé, Franck DiCaprio était en train de faire le spectacle, alors que lui, il n'était pas au courant. Il a arrêté le spectacle, il a gâté à faire même. Oui, je reconnais. C'est même pas le seul spectacle. Il y a eu plein de spectacles. Il y a eu un spectacle au Cameroun même qu'il a calé, je ne suis pas parti. Il a pris les avances, tout ça, je ne suis pas parti. Ça, je reconnais. C'est pas que. Tu sais, tu me connais. Tu sais que Franck, je n'ai pas peur de parler à quelqu'un. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et puis, je n'aime pas mentir. Je ne suis pas un menteur. Mon problème, c'est que ma bouche dit tout la vérité. Tu vois? Et à un moment de la vie, c'est vrai que l'argent rentrait beaucoup. Hein? Et puis, il y avait les clauses du contrat qu'il fallait respecter. Tu vois. Et puis, il y avait. D'abord, à la base, il y avait un petit froid entre lui et moi. D'accord. Moi, c'est mon vieux. Jusqu'à présent, il reste toujours mon vieux. Il y avait un petit froid entre lui et moi. Du fait que. Dû au fait que. Quand il a payé le studio, il allait en voyage, il allait au Japon. Et. Moi, c'est. J'étais DJ. C'est pas que j'étais dans la boue ou quoi que ce soit. C'est que. Notre maquis où on a toujours travaillé, c'était le meilleur maquis. On gagnait de l'argent chaque jour. Et puis, en ce temps, mon studio coûtait au moins 40 000 comme ça. Il y a split sur moi depuis 2004-2005. En ce temps, tu vois. C'est pas que j'étais un gars affamé. Non, je vivais de mon art. Un DJ, c'est un boss. Voilà, peut-être qu'ici en Afrique, ça ne paye pas, mais un DJ, c'est un boss. Et puis encore, dans le temps aussi, on officiait dans le meilleur espace d'Afrique. Donc, c'est pas que j'avais faim, j'avais encore plus d'ambition. J'étais ambitieux. Tu vois, je voulais aller encore plus parce que j'ai vu mes amis, Lewis, on a travaillé ensemble au Shanghai. Après, il y a eu Bonan avec qui était au Tête 27 après, tu vois. Mouloukou. Donc, moi aussi, je voulais eu cette envie aussi. C'est moi qui l'ai approché. Tu vois, parce que j'avais appris qu'il cherchait, comment dire, un artiste pour péter calé, un DJ à produire. Et c'est moi-même qui l'ai approché par le biais de DJ Blaze. Tu te rappelles? Bien sûr. Et c'est Blas qui m'a remis son numéro. Je l'appelais, dit ah, allô, bonsoir, le boss, c'est Francky, c'est moi, c'est DJ à la station, tout machin. J'ai appris que, voilà, dit ok, après toi, à ce moment-là, avec sa poche, j'étais dans le temps. Il est venu me voir, j'étais allumé ma Mondi. Donc, il est venu, on s'est vu au Carrefour là, et puis on a causé. C'est parti vite, quoi. Il n'était pas compliqué. Il est venu, il a dit ah, ok, il n'y a pas de droit. Il dit Marie, Manu, toi, tu es vendable. Il dit ok. Et puis il dit bon, ok, je voyage. Il a dit ah, moi, je veux faire mon leçon, je veux faire ça, je suis David Taro, tout ça. Il a dit non, qu'il a un petit qui est très fort. Que pas qu'il m'inquiète que le petit est trop violent. Moi j'ai essayé, ok, pardon. Il a payé les séances studio et paf. Le boss a voyagé. Et bon, je venais au maquis, je gagnais de l'argent au maquis, en animé, je prenais ma thune, je payais mon transport, je partais à Kumasi, au studio. Je vais rester comme ça pendant un mois et demi. C'était qui l'arrangeait même déjà? Théo, ok. Voilà. Tu vois, et puis, quand il est arrivé, On a dupliqué le CD, il a écouté le son, tout machin, et puis on a dupliqué le CD, et puis voilà. Au début, il n'était pas trop impliqué, tu vois. Il ne croyait pas au projet, en fait. Il ne croyait pas, parce qu'à un moment, il a su que depuis ça, il ne croyait pas, tu vois. Et puis, non, tu nous connais, nous, on fait promo. C'est Yannick qui m'a dit, mon manager, en même temps, il m'a dit, mais Francky, essaie de faire ce que tu peux faire. Il faut ta promo, hein.
faut te débattre. Et j'essaie de me débattre, je venais travailler, et puis le matin, j'allais partir à SCD, après je dormais, il fallait que je vienne tôt, moi je montais à 19h. Il fallait que je vienne tôt, je disais déjà que c'était vraiment compliqué, tu vois. Je venais tôt, et puis après, donc ça fait que un mois après, je suis tombé malade. Et j'ai appelé le boss pour dire je suis vraiment malade. Il n'a pas fait signe de vie. Je comprends. Il n'a vraiment pas fait signe de vie. Il m'a pas appelé. Il m'avait ramené des gens comme un paracétamol, mais comme peut-être un petit comprimé. Mm-hmm. C'est pas que je veux le salir, non, ça n'a mm-hmm. rien à voir. Je dis juste la vérité, en fait. Voilà, ouais. La vérité. Il y a eu un froid entre lui et moi. Tu vois, c'est vrai qu'on a vu le concert, on a vu le succès de Fatigué, mais j'ai eu beaucoup de froid entre moi et les gens. Avant que le succès, avant que le Fatigué ait le succès. C'est pas que je veux me venger, mais en même temps, c'est des personnes que j'avais pas, que je portais plus comme ça. Tu vois. Donc j'étais un gars sans pitié. Et derrière moi, le mouvement a pris. Tu vois. Quand ça a pris, il ne savait même pas que ça avait pris. Ça avait déjà pris à la rue, ça avait déjà pris à la station, que ça a pris à la rue. Bon, il ne savait pas parce qu'à peine il venait à Yopougon. C'est là maintenant, on lui a dit qu'il y a un son là, que ça fait moucher à Yopougon. C'est là, prix drague, c'est le son de son artiste. Mm-hmm. Mais Joe, tu vois que le fanfan, la vérité sorte. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça, qui ne savent même pas voilà, comment est-ce que les choses se sont passées réellement. Tu vois, une fois, c'est ça. Ça dit que ne fuyez pas. Les artistes, vous me fuyez. Alors que moi, je vous pousse à dire la vérité sur les choses. Parce que souvent, on juge l'artiste. On dit, oh, l'artiste a été un grand, alors qu'en réalité, il y a eu quelque chose. Tu vois. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est après, il a su que son artiste, le son qu'il a produit en train de faire mal. Le son a pété à Yopougon. Tu vois. Et moi, j'étais dans mes bails. Il faisait mes petits shows dans les bars. À la base, au début, mon manager c'était Yu Toi Rouge. Quand on salue au passage Yu Toi Rouge. Aujourd'hui, le manager de DJ Arafat. C'était mon premier manager dans le temps. Et Yannick Kaka était comme le chargé de communication. C'était le bon petit aussi au boss, à M. Fimène, en tout ça. Et j'ai plus aimé la méthode de travail de Yannick Kaka. Voilà, moi, pour ça, mais. Tu veux dire quoi, que Yuyu, tu veux dire que Yuyu, il valait rien quoi, ou bien c'est quoi? Non, c'est pas que Yuyu Toi Rouge n'était pas fou, il a toujours été un grand manager, hein. Yuyu Toi Rouge c'est un battant, tu vois. Mais chaque artiste a l'image qu'il veut refléter, au fait. Tu vois là, veut avoir l'image qu'il veut refléter, au fait. Voilà, Yannick Kaka, lui c'était plus la classe, tu comprends, non? Le mythe, tu vois. Yuyu Toi Rouge c'était plus le terrain. Mm-hmm. Ah, lui, c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. C'était plus de terrain. Yannick Kaka, lui, c'était plus la communication, les émissions. Yuyu, c'était un cas de terrain. Donc, moi, à la base, je voulais pas une carrière de terrain, en fait. Je voulais pas une carrière du gars qui est dans la nuit et tout le temps. Je rêvais avoir une carrière d'un artiste qui a le mythe, tu vois, non? Voilà, la classe, des trucs comme ça. Et c'est Yannick, j'ai plus kiffé Yannick, tu vois. C'est comme ça. Yuyu et moi, bon, après, quand Arafat est arrivé de France, il a commencé à tourner avec Arafat. Voilà, et moi, je suis resté avec Yannick Kaka. Donc, il disait, et c'est là que le son a pété, le son a pris, même pas à Abidjan, mais à Yopougon, le son avait pété, mais grave. Et c'est comme ça, le producteur est revenu. Il m'a appelé, je ne décrochais pas. Il m'a appelé, je ne répondais pas. Et un jour, il a appelé Yannick. Non, il veut me voir, machin, il faut qu'on fasse une réunion. On vient, on voit, il y a un policier qui débarque. Tu vois, là, un lieutenant, c'est un lieutenant. Bon, je pouvais te dire son nom, mais pas. Vas-y. Tu vois, là. Toi, il y a un policier qui débarque. Et c'est Yannick qui me dit, non, petit, tu sais quoi. Tu as trop prié. Tu connais Dieu, tu pries beaucoup, tu comprends. Tu as confié à Dieu, au lieu de ça marcher. Faut pas oublier que c'est grâce à. Cet argent du monsieur, c'est vrai que ce n'est pas des milliards qu'il a mis dans la séance studio, mais c'est grâce à lui, peu, là, Dieu est passé par lui, pour que ce soit comme ça. Par guise de reconnaissance, il faut reconduire le contrat et puis travailler. Tu vois. Mais est-ce qu'il y avait un contrat signé avant que tu le repenses? D'accord. Tu vois. Et moi, je l'avais. Non, je me rappelle que j'avais dit à Yannick que je vais réaliser le contrat. Et c'est là que le gars a appelé son lieutenant, là. Il avait un ami lieutenant là, qui l'a appelé, le boss. Et le gars est venu, tout ça. Genre, peut-être pour t'intimider, ouais. Tu sais, nous, on est DJ. Le DJ, là, tu ne peux pas intimider un DJ. Un DJ, il côtoie des personnalités chaque jour. Mm-hmm. Tu vois, c'est vrai qu'on est dans la cabine, mais on avait des relations en tant que DJ aussi.
C'était pas que genre je suis malhonnête, mais je suis ingrat ou je suis quoi que ce soit. Il y a eu trop de frustrations, il y a eu trop de trucs qui ont vraiment blessé. Mais moi, je suis pas le genre d'artiste qui étale ce qui est mauvais. Moi, je ne peux pas étaler ce qui est mauvais. Parce que ce qui est bien, c'est j'étais avec M. Fimenaga, on a sorti un concept, ça a connu le succès. C'est ce que moi, j'ai montré aux gens. Tu comprends? Les journalistes m'ont posé des questions, je ne suis jamais rentré dans le fait que non. C'est aujourd'hui là. Tu comprends, non? Voilà, je te dis ça comme ça. Parce que je dis ça et je te rappelle ça parce que tu sais, toi et moi, c'est comme ça. Toi-même, tu me dis. Bien sûr. Tu sais, toi et moi. Non, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Tu te rappelles, il y a toi, il y a Fabrice Denon. Ils étaient les deux personnes dans la cabine là qui me disaient non, mais c'est pas bien, c'est pas comme ça, on fait une production. Vous me disiez ça. Et nous, on s'est battu comme vous faites. Et le son a pété. Maintenant, il a apporté son apport, son plus, c'est qu'il a pu me caler les émissions télé. Il a commencé à avoir les visibilités. Faire le clip, tout ça. Il a fait le clip maintenant, tout ça, tu vois. Mais le son avait déjà pété. Oui, le son, on a pris avant que la vidéo ne sorte. Ouais, le son marchait déjà. À tel point que TV3 même a fait son clip avant même moi, tout ça. Tu vois un peu l'esprit. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Francky DiCaprio. C'est l'émission Fafa. Plage musicale, et on revient. Alors, Francky, dis-moi, aujourd'hui, moi je vais te poser une question encore pour fatiguer, après on va passer à autre chose. Voilà, c'est encore un de tes conflits, tu vois, parce qu'aujourd'hui il faut éclaircir la lanterne des gens, il faudrait que les gens comprennent qui est réellement Francky DiCaprio, tu vois. Voilà, aujourd'hui tu as eu un souci, aujourd'hui que beaucoup de personnes en parlent jusqu'à présent, tu as eu un problème avec le grand frère Didier Bleu, qu'on salue au passage. Voilà, c'est un problème qui franchement, c'est ce que les gens disent, que ça a vraiment agi sur ta carrière, parce que voilà, il a voulu te fermer dans les mouvements, tout ça, parce qu'il paraît que voilà, tu l'as clashé devant les gens, tu l'as insulté devant les gens et tout, le VP n'a pas digéré ça, voilà, et même il a même appelé ses amis, tout ça, pour leur expliquer, tout. Et ce problème-là, beaucoup de gens, en tout cas, qui sont dans le showbiz il y a longtemps, sont au courant de ça. Tu vois, aujourd'hui, devant les fans, il y a des gens même qui ne te connaissent pas, mais à force d'avoir trop entendu cette histoire-là, ces personnes-là te voient, tu les énerves. Parce qu'on dit que c'est un gars qui a insulté Didier Bleu, il nous énerve. Donc, il faut que cette histoire-là, il faut que tu l'expliques concrètement. C'est important. C'est important. Hein? C'est quoi le problème avec Didier Bleu? C'est vrai que vous avez réglé ça, mais il s'agissait de quoi à l'époque? Tu sais, Rabdi, Dieu m'a fait grâce. Hein. Dieu m'a fait grâce. Et ça, j'ai toujours reconnu ça, c'est pourquoi Dieu ne va jamais me laisser. Tu sais que ce que je veux dire, que j'aime pas mentir, non. Et puis j'ai un problème, c'est que je n'aime pas qu'on m'humilie, au fait. Tu vois, non? Parce que la Bible même dit que personne ne minimise ta jeunesse. Moi, je ne peux pas savoir les points des instructions de l'émission. Tu vois, non? Donc je viens à l'émission. Tu comprends? Et on me dit non que l'animateur t'appelle. Donc moi, pour moi, et c'est quelqu'un que je kiffe, en fait. Tu vois, non? Parce que dans la cabine, moi, mon animateur disait d'abord, c'est du Diblo. Tu es souvent un peu. Donc, c'est quelqu'un qui dit, ah, on dit Diblo, t'as peur. Donc, moi, automatiquement, je suis en chéri, tu vois, non? Je cours comme un zozo. Je vois Diblo. Tu vois, je vois le gars, la belle taille. Il est là, c'est lui, des charismatiques, c'est du Diblo. Je suis arrêté, oui, mon vieux. Il dit, mais c'est quoi ces manières? Je t'explique. Oui, bien sûr, vas-y. C'est quoi ces manières? Tu veux quoi, tu décides de prendre dans mon émission, ça va pas. Vous pensez quoi? Tu peux dire à tes malades de ramener le CD un jour avant, un truc comme ça. Ben, il fallait ramener le CD le jeudi. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, non? Tu es quel artiste? Toi, tu es qui? Non, moi, je suis un enfant de la rue. La vie m'a forgé. J'ai fait des nuits sans manger. C'est dormir à la belle étoile que je n'ai pas permis. J'ai parfois dormi à la belle étoile. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je te suis. Automatiquement, je me suis senti automatiquement touché. Et quand il m'a appelé, quand je suis venu, les gens te disent, waouh, tu vois un peu, non? Donc, moi, pour moi, j'ai fait mon malin, tu vois, non? Comme d'habitude, je fais mon malin, je vois un peu les fans, ils font le malin. En ce moment, le public, c'était ouvert à tempo, là. Donc, quand tu passes un peu, on peut te voir. Donc, ça crie, waouh, non, les fans ont vu les artistes. Donc, moi, je fais le malin, puis ça a tellement vu. Et puis, automatiquement, je vois le vieux père. Il est en train de parler d'une manière, là. Tu vois le Ramzi? Donc, de là, on partait à Bangourou. Et c'est dans la voiture. Je ne supportais pas. J'envoie un message au père de vie. Avec tout le respect que je dois, avec toute l'estime que j'ai pour toi. Comment t'as besoin de parler, j'ai pas. Je ne suis pas content.
Il m'a envoyé, une réponse. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas compris. Tu mourras sur ton chemin. Je ne vais jamais oublier ça. Il m'a dit, tu mourras sur ton chemin. Tu vois, du genre, toi, tu n'es pas fâché, toi, tu n'es pas content. Et puis, tu m'envoies un message, tout ça. Automatiquement, il y a un petit qui dit, ah, on est dans quel monde là? Tu vois, quelqu'un t'a blessé, tu lui dis non, il t'a blessé. Et puis, la personne te dit non, tu mourras sur ton chemin. Donc, je lui dis, donc, je me rappelle bien comme c'était hier. Donc, c'était une fois. Donc, si tu te prouvais mon mécontentement, pour toi, un manque de respect, je suis vraiment désolé. Et j'ai plus reçu de message. Tu vois, voilà comment ce vieux a été vraiment froid avec moi, tu vois. Et puis après, chacun raconte ce que chacun veut raconter. J'ai pas, moi, mais j'ai jamais voulu expliquer l'histoire comme ça, tu comprends. Et c'est à Guillaume Brigès, à Paris, je lui ai expliqué. Guillaume m'a dit jusqu'à ce point. Et en ce moment, j'étais à Dios, mais Dios, c'est à eux expliquer. Que voilà le point, c'est voilà ce qui s'est passé, tu vois, entre moi, eux et Diblo. C'est pas que je lui ai manqué de respect, non. Hein. D'accord. Voilà qui est bien expliqué, mesdames et messieurs, pour ceux qui parlaient là. Le monsieur, il a expliqué. Hein. Il a expliqué. Super, super, Francky. Super. C'est pas là qu'il a très bien expliqué. Mais Francky, dis-moi, est-ce que tu as finalement, est-ce que tu as enterré la hache de guerre avec, c'est une parenthèse, hein, avec Didi Arafat et Debordo Likumfa? Parce que moi, je sais, les gens ne savent pas. Mais en réalité, le palab, c'était réellement, ce palab a commencé avec Debordo et Didi Arafat à la rue Princesse. Les deux t'ont clashé ensemble. Voilà, mais pour Arafat et toi, ça sortit dans musique, ça sortit dans, ça sortit sur les sons. Mais en réalité, là, c'est, les deux ont commencé le travail, tu vois. Et moi, je me rappelle que ce jour-là, tu étais un peu dépassé, surtout par l'attitude de Bordeaux Likoufa, tu vois. Donc moi, je te demande, est-ce que maintenant, c'est bon, il y a fort, est-ce que, voilà, vous vous entendez, est-ce que, voilà, quand vous voyez en ville, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'animosité, c'est réglé, c'est bon. D'abord, moi, je suis chrétien. Donc, moi je suis chrétien, toi tu sais que même si on s'est pris la tête aujourd'hui à 15h, 17h, tu m'as dit allô Francky, c'est fini. Toi tu sais, je suis comme ça. Mes amis savent ça, c'est pourquoi il y a beaucoup d'amis qui se comportent comme des crapes. Ils disent ah, Francky, il n'est pas compliqué. Même si tu as fait quelque chose, il n'y aura plus à manquer. Faut le supprendre celui-là, moi c'est fini. Ah, mais fini. Je suis un garçon facile, moi j'étais un goût là, il y avait peut-être une goût facile. Je suis un homme très très facile. Là, il a suivi que des Bordeaux me disent sur le boulevard la Tréunie là que. Bon, je suis désolé. Pour que moi, j'ai encore plus d'estime pour Debordo. Je suis chrétien en fait. J'ai dit tous les jours que je ne suis pas obligé de crier Dieu, 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 non, non, non. Mon âme en témoigne, le ciel en témoigne. Je suis comme ça. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas comme certains hommes de Dieu qui prennent l'affaire de Dieu pour faire business. Non, 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 non. C'est la relation entre toi et puis Dieu. Mm-hmm. C'est ce qui compte en fait. C'est ce qui compte en fait. Ouais. Quand Debordo m'a vu. La nuit, j'étais Lewis et puis Jacob. Il m'a dit, il veut me parler. J'ai dit, je ne vais pas lui parler. Il dit, toi, je ne vais pas te parler parce que je sais ce que je fais pour toi. Moi, Francky, je sais ce que je fais pour toi. Il y a certains artistes qui ont moussé parce que la nation en avait marre de leur frustration. Pas parce que c'était trop fort. Il y a certains artistes qui ont moussé parce que la nation en avait marre de leur souffrance. De leur humiliation. Donc tu veux dire que Debordo en fait partie? Il en fait bien partie. C'est des gens qui ont été maltraités, qui ont été vilipendés. Et à nous, ça nous a fait perdre, ça nous a beaucoup fait mal. J'ai écouté Américain Soldier dans un maquis jadis à Selmer, on appelle le monde arabe. J'ai dit à Bibi Philippe, donne-moi le CD. Le samedi, il y a un spectacle à Perugia en Italie. Ça sera mon morceau promo. C'est moi qui ai amené le CD en France. C'est moi qui ai partagé ça au DJ, Meko, tous les gars. Tu entends? Ouais. J'avais un spectacle à Parma. Ah, les gens ne savent pas. Les femmes faisaient comme ça. J'avais un spectacle à Parma. Mm-hmm. Et avant mon spectacle, j'ai demandé à ce que DJ joue Américain sur le Dieu. Il y a des artistes là qui ne doivent pas s'oublier. Ils doivent savoir qu'eux ont moussé parce que les Ivoiriens ont vu que non, on en a marre de ta souffrance. On ne peut pas humilier un homme comme ça. Et Debordo a été l'artiste le plus humilié, le plus vilipendé de la terre. Quand Debordo dit dans ce truc que vous serez servi à la fourchette, là, moi j'acclame ça. Il y a des gens aussi qui seront servis à la fourchette. J'acclame ça. Mais il ne faut pas t'oublier. Moi, c'est jeune prêtre, Manuel Moussemon. Donc, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est prière qui m'a fait mousser. Je n'ai pas peur de quelque chose. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Mm-hmm.
Il y a des managers qui ne savent pas ce que c'est qu'un artiste. J'allais même te poser la question là-dessus. Comme tu as commencé, vas-y en même temps. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des managers de boîte de nuit qui n'ont aucun respect pour les artistes. Non, ils ne savent pas ce que c'est qu'un artiste. Et puis, ils ne savent pas ce que c'est qu'un manager. Quand tu vas sur Google, il y a tout sur Internet, va sur Google, tu tapes qu'est-ce que c'est qu'un manager. Tu vas voir. Un manager d'artiste, il est comme le papa et la maman de l'artiste. Ce dernier-là, c'est lui, il est à même d'encaisser tout. Quand un bébé pleure, quand un bébé fait popo, ce n'est pas sa maman qui le voit. C'est comme ça, un artiste et un manager. Mais il y a des managers aujourd'hui. Il n'y a plus de managers, mon gars. Il y a des aventuriers. Les managers de la trompe comme les Barret Boulevard des Stars, les Yannick Kaka, ça. Il n'y en a plus. C'est des gens qui passent de client en client, d'élément en élément, pour salir le nom des artistes. Il y a des problèmes de cuisine interne, ça reste dans la maison. Tu as dit que tu es manager. Toi, tu es manager d'artiste et puis toi, tu critiques l'artiste. Tu es sorcier. On est où là? On est où? Toi, tu es manager d'artiste, c'est toi qui conspire contre un autre artiste. Je me rappelle un jour, j'étais dans une boîte de nuit en train de faire spectacle. Il y a un gars qui s'est levé, il voulait me donner l'argent. Et j'avais besoin de cet argent. J'avais besoin de cet argent. Ça, quoi, je vais oublier. Mais ce manager, il sera servi à la fourchette. Parce que le showbiz, ça s'appelle la tête tourne. J'avais besoin de cet argent. C'est-à-dire que si le gars me donnait cet argent-là automatiquement, il n'y a plus de problème. Il y a quatre danseurs derrière moi. Ils ont fait promo d'écraser, écraser, écraser les démons. La boîte était chargée. Les gens étaient en ébullition. On a dit, ouais, ça c'est le grand comeback. Le gars il se lève. Je vois le manager. Je vois le manager. Le manager est un artiste que je connais. Son artiste, mais c'est mon ami. Et nous, on s'appelle, on se parle, pas qu'on s'appelle, on se parle, mon cher. Oh, beau, beau, c'est bon, c'est quoi, c'est quoi. Oh, beau, mon cher. Il se lève, puis gamme, le gars, devant moi, il y a un micro en main. Puis dis au gars, ne viens pas lui donner de l'argent. Tu vois pourquoi on t'appelle. Le gars, chien de route. Quelqu'un qui a mis sa main dans sa poche, il n'est jamais. Ça fait 3 ans aujourd'hui, il n'est pas oublié. Il se connaît, je le connais. J'ai envie même de dire, c'est son travail. C'est son travail. Il passe sa vie à dénigrer les artistes. C'est quoi que ça soit les élèves. Oui, mais fais-nous son nom. C'est pas fort, on n'a pas peur. Tout ce qu'il peut dire, voilà, c'est la peur de personne. Voilà. Tu comprends, non? Pour que lui, son artiste mange, il va le faire. Mais c'est pas. On va où? Ramzi, toi, me disais que je n'ai pas un mieux. Mes amis, là, c'est vous. C'est pas aujourd'hui, on va se promener, les amis. Mais même Zami, là, c'est eux. Personne n'est rentré. Les mêmes Driss Assida, les mêmes Azrapon, les mêmes Ramzi, les mêmes Kero, les mêmes, c'est les mêmes gens. Tu as vu une nouvelle personne dedans? Jamais. Les mêmes Eric Olop, c'est les mêmes gens. Et ça sera toujours comme ça. Tu vois? Je sens que mon artiste en train de se lâcher. Parce qu'il faisait trop le malin au début. Maintenant, il a dit comment ça sortit. Ça n'est pas passé comme ça. Il y a de la méchanceté dans le showbiz. Ouais. Il y a de la méchanceté. Les gens sont vraiment méchants pour un oui, un non. Parce que tu mousses, tu les énerves. Donc, ce qu'ils peuvent faire pour que tu tombes, ils vont le faire. J'étais sur Facebook, il y avait un gars à propos qui était dans la même vidéo sur Savarel. Parce qu'il y a eu un spectacle, le gars n'est pas venu. En ce moment, là, le petit, il est surchargé. Donc, il y a des spectacles où il peut ne pas venir. Ou même peut-être pas avoir un malaise. Mais tu as vu la vidéo du gars. Et puis, il faut lire les commentaires. Je te dis que sur cette vidéo du gars-là, il y a un manager derrière ça. Il y a peut-être un artiste derrière. Et c'est comme ça. Avant même, Dieu merci, il n'y avait pas Internet. Vous dites Internet, mais laisse tomber. Donc, tu t'imagines, tu as une fatigue, vas-y, il y avait Internet. Mais laisse tomber. Il y a juste quelqu'un va tirer sur moi un jour. Un gars qui ne sort pas, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne se promène pas, qui va faire ses spectacles, qui vient dormir. Tu ne l'as jamais vu quelque part. Tu le vois, tu es fâché. C'est la sorcellerie. Et c'est des choses que j'ai supportées. Et c'est des choses que j'ai vaincues. Parce que, après là, toi tu scènes et puis on voit si on t'a vomi. C'est ça le truc. Il y a des artistes que je connais, que moi je connais, qui passent en boucle sur des chaînes de télé. Ils ne peuvent même pas faire spectacle. Il y a 2 personnes qui m'applaudissent. À peine, mais il y a 1 personne, 2 personnes qui m'applaudissent. C'est pas intéressant à regarder en fait. Tu n'es pas artiste. C'est de la tricherie. Aujourd'hui, là, on quitte ici dans le camion pour John Messi. Donc, on dit Francky DiCaprio, tu vois, attends, demande. Et puis après, on finira, on va les spectacles. On va filmer. Il y a plein qui en invitent en Côte d'Ivoire, ils sont organisés des concerts ici, à Ivoire, il y a 12 personnes.
Pourtant, ils sont tout en télé, on connaît les chansons par cœur. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, que les gens arrêtent la sorcellerie, la méchanceté envers ceux qui vraiment peuvent rehausser l'image culturelle de la Côte d'Ivoire. Que les gens arrêtent un peu. Il n'y a rien dans vouloir faire du mal à quelqu'un. Il n'y a rien dedans. Vous avez fait jusqu'à le gars n'est pas mort. Laissez tomber. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, voilà, on a appris que tu bosses maintenant avec Baby Philippe, il t'a signé en tant qu'artiste, il te produit et tout ça. C'est vrai ou c'est faux? J'ai toujours été avec Baby Philippe, hein. Depuis fatigué. Bon, c'est mon arrangeur, tu vois, en perso. En même temps, comme je dis, il faut s'adapter, tu vois. Il faut bien s'adapter au fait. Aujourd'hui, Baby Philippe, il est vraiment très coté avec les chaînes de télé, il est passé ses œuvres, tu comprends un peu, non? Et il a eu l'ambition, c'est-à-dire il a eu cette ambition de créer un label. Et on est tout ensemble. Et quoi de plus normal que j'y fasse partie, tu comprends? Mm-hmm. Voilà, c'est deux mecs qui se lavent. Et j'apporte de mon expérience et de mon nom, tu comprends, et de ma maturité. Et puis lui, il apporte de sa visibilité. Et tu vois un peu, c'est un business, tu comprends? Donc... Baby et moi, c'est une bonne collaboration, très très bonne collaboration. C'est vrai que c'est pas une production vraiment en tant que telle, comme autant j'ai dit, soit du producteur machin, tu vois, mais c'est typiquement business. Il est en plus d'être l'arrangeur, c'est-à-dire qu'en plus de créer la musique, en plus encore d'être le directeur artistique au studio, il est encore à l'édition, tu vois, et il partage encore mes yeux, tout ça, et tu vois un peu. Donc c'est un peu ça en fait. C'est une production digitale en fait. D'accord. Tu vois, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, les gens... Non, c'est pas lui qui met l'argent dans ta musique. Hein. Ben, c'est ça le dernier de savoir. C'est lui qui paye tes chansons, il paye tes clips, oui ou non. C'est là-bas, tu l'as moyen, ça va. Non. D'accord. Ça, c'est toi-même qui gère. Et puis bon, lui, il t'aide sur un autre côté. Ça veut dire que c'est donnant en fait. Donc ça, c'est moi-même qui gère. Uh-huh. Mais je souligne pour dire que quand le label Bibi Team a été lancé avec Roulé. C'est Francky DiCaprio. C'est lui-même qui a mis de l'argent dans la chanson Roulé. Tu entends? D'accord. Voilà, c'est lui-même qui a mis de l'argent. D'accord. Voilà, et après ça, on est toujours ensemble. Super. On est toujours ensemble. Je gère le truc quand il y a des blocages quelque part. Laisser apporter ce qu'il peut apporter financièrement, comme on va dire, pas forcément financièrement, mais sur le terrain, il peut appeler qui peut appeler, tu vois, voilà, parce que mine de rien, Baby Philippe a musicalement, il a beaucoup de cotes parce que c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs, il est le meilleur, faut appeler les choses par leur nom. C'est pas que les autres sont pas forts, les autres sont forts, mais parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur. Cette génération, je mets pas le notre papa David Taïro, je parle de cette génération, tu vois. Et il est crédible, je vois un peu. Donc j'ai aussi besoin de ça en ce moment, voilà, pour faciliter la promo. Alors, Franck, la question que je voulais te poser, c'est que aujourd'hui, il y a, moi j'ai dit toujours, hein, moi j'ai pas peur de quelqu'un, il y a trop de bêtises dans le coupé décalé, c'est-à-dire que celui-là se lève. Il insulte celui-là, un autre s'élève, il insulte l'autre, ça devient des clashs en un point fini. Pauvre Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, c'est devenu aujourd'hui leur terrain de jeu, ils se clashent sur Facebook. Voilà, je ne sais pas. Et puis on sent ça plus dans le coupé décalé. C'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, là, c'est le coupé décalé, on sent plus les clashs. Et souvent même, ça devient ridicule, quoi, tu vois. Donc toi, à part le clash que tu as eu dans le temps avec Arafat Conseil, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler de toi dans quelques clashs que ce soit, tu vois. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que toi, tu penses? Quel est le mot que toi, tu as à dire par rapport à tout ça? Tu sais quoi, Ramzi? J'attendais cette question depuis. En fait, c'est la motivation même pour là. C'est ma motivation pour l'émission, en fait. Moi, je t'ai dit où je suis. Enfin, je connais ta bouche. Et puis, je ne vais pas te mentir. Enfin, tu connais la base. Tu vois, non? Donc, je cherchais quelqu'un qui allait me poser cette question. Aujourd'hui, là où on est là, en 2018, là, on a foutu la merde. Et on est en train de ternir cette musique. Des panneaux karaté. David a peur de nous aujourd'hui, là, les promoteurs de spectacle qu'on parle de David. David a peur de nous. On sait l'effet qu'on a fait en Afrique.
c'est l'effet qu'on fait à la fin. Mais quand tu vois des artistes, il n'y a pas, il n'y a que des interprètes. Il y a peu d'artistes, beaucoup d'interprètes. Beaucoup mélangés des comédiens. Les vrais artistes sont combattus. Parce que le monde maintenant aime la médiocrité. Un vrai artiste, ce n'est pas derrière Facebook, c'est sur scène. Une grande musique. Les gens pensaient que c'était une musique ivoirienne. Du coup, les gars n'ont jamais été une musique ivoirienne. Dieu merci, c'est nous qui portons le flambeau du coupé décalé. Mais le coupé décalé, c'est une musique urbaine africaine qui chaque année subit des transformations. Mais quand des porteurs de flambeau de la musique africaine se comportent comme des bouviers, c'est une honte. C'est une honte. Il y a des amis à qui je ne parle pas. Il y a des amis coupés décalés à qui je ne parle pas, à qui je n'appelle plus à cause de ça. Parce qu'on a déjà causé, on a plusieurs fois causé, on s'est déjà dit trop de choses, tu comprends, non? Donc, on peut pas se parler, pour que tu descendes si bas. Tu perds quelque chose quand c'est pas la télévision que tu parles. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu perds quelque chose quand c'est pas la télévision que tu parles. C'est sur Internet. C'est comme les gars Trump derrière David aussi. 100 000 dollars, 100 millions de francs, c'est pas les 80 millions de francs. C'est qui l'a dit ça? C'est qui ça? Dis-moi, c'est qui ça? C'est pourquoi tout ça là? Dans le temps, on prenait 3 millions de cachets, 4 millions dans le temps, avec un morceau. Un morceau. Tu te chafouilles jusqu'à. Tu finis tout la foule là. On dit, ah. On double le cachet pour venir faire un spectacle. Les gens ne peuvent pas partir. Mais quand tu finis là, tu rentres à l'hôtel directement. On ne te voit pas. On te voit à la télévision. On te voit sur le podium. On ne te voit pas. On te demande encore. Oh, il y a les petits garçons, on est tous latins locaux. Vraiment, ça, le morceau joue en boîte et puis il n'est jamais parti au Burkina Faso. Vous dites, mais on va partir au Gabon. Mais non, au Gabon, c'est trop lourd, c'est trop lourd ça. Vous dites, mais on va partir au Mali. En plus de ça, maintenant, vous vous insultez sur Internet. Ah! On me dit, mais c'est une honte. Moi, je peux comprendre un artiste qui est parfois en colère et puis, et puis voilà, ça arrive. Mais un gars qui pense son côté, il s'assoit un jour. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, en train de parler de ses amis, de son ami artiste. Mais tu es un intrus dans le showbiz. Mais tu es mauvais. En fait, tu es un danger pour la culture ivoirienne. On appelle ça les problèmes de cuisine interne. C'est des choses que les gens ne doivent pas savoir entre nous. Ah, tu comprends, bro? Ramzi, c'est déplorable. Et je condamne ça avec la toute dernière fermeté. Je condamne et je condamnerai ça. Il n'y a pas un artiste qui a se comporté comme ça, comme moi j'ai appris. Jamais de la vie. Automatiquement, quand tu commences, mais automatiquement, il faut te dire que toi, moi, on n'est plus amis. Même si on était amis avant. Et on ne sera pas amis. Parce que je me dis quoi, que de toute façon, tu parles de Paul comme ça, quand tu as parlé de moi un jour. Et c'est ce genre de personnes qui a beaucoup comme ça aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est versé. Hein. Il y en a trop. Il y a d'autres qui font sur Facebook, il y a d'autres mecs qui font maintenant dans le noir. Et c'est pourri. C'est n'importe quoi. C'est des choses à ne pas encourager. C'est des choses à ne pas médiatiser. C'est des choses à ne pas montrer à la télévision. C'est vraiment très, 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 très dommage. Alors, Frankie DiCaprio, ouais. Voilà. Actuellement, tu es en pleine promotion. Yes, pour un son, actuellement, tout le monde en parle déjà. Yes, il fait trop de bruit dans la ville. Hein? C'est le Zokoto. Zokoto Nayo. Yes, ouais, c'est le nouveau concept qu'il y a là. Fait la pré-campagne du son. Mm-hmm. C'est une stratégie de communication. Oui. Tu annonces un son avant qu'il ne sorte. Mm-hmm. Tu annonces le son, on fait la vidéo démo, le son n'est pas sorti. Tu vois, tu fais la promo sur le terrain, de temps en temps, le son n'est pas encore sorti. Ça s'appelle ça la pré-promo. Maintenant, tu mets le son en ligne en vente. Le son n'est pas sorti officiellement, gratuitement, mais il est en ligne en vente sur des plateformes de téléchargement
légal et payant. Tu vois. Et après la sortie du son, maintenant, c'est là que la promo commence. Tu vois, après, non. Je fais ça pour que, encore une fois de plus, pour qu'on apporte un peu de respect, un peu de sérieux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a mangé. Parce que c'est de l'argent qu'on met dedans. D'abord, on n'en a pas beaucoup. Et si on est pauvre, il ne faut pas que les gens vous manquent à boutique. Non, attends, ici, on n'a que des artistes pauvres. Les gens sont bés, ils sont Nigeria, ils sont States, ils sont Beng. C'est les MAG là qui sont bés. Les artistes francophones là, c'est. Tu as 15 millions, tu as 20 millions, 25 000 dollars, 25 000 euros, c'est pas de l'argent. Ça, c'est. Tu es pauvre. En tant qu'artiste, t'as maintenant combien de 500 millions. En tant qu'un artiste, c'est une star. Donc, il faut qu'on apprenne quand même au public, aux fans, d'acheter ne serait-ce que 800 francs, ne serait-ce que 500 francs, un morceau sur, voilà, sur Deezer, ou sur Spotify, c'est, au moins encore du bois ici. Là. Il y a au moins. Même si on dit que c'est un pays pauvre, vraiment, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui n'est pas en plus, il y a au moins près de 10 000 personnes qui ont iPhone, iTunes. Donc si 10 000 personnes ont acheté un son à 800 francs, ça les fait déjà 8 millions de francs. Tu m'en vends. Tu as au moins 10 000 personnes qui ont eu 4 buts. Un exemple, hein? 10 000 personnes. Même si c'est 10 000. Je suis plus de 20 millions d'habitants. 10 000 personnes. Ouais. 10 000 personnes. J'ai dit au moins, ça c'est dit, c'est quand c'est zéro, même si on t'a d'abord. Tu as au moins 10 000 personnes qui ont au moins 4 buts. Donc s'ils achètent une chanson à 800 francs, ça fait 8 millions. Ça fait au moins 16 millions de francs. Ça te permet de faire de gros clips. Tu vois, des grosses collaborations. Tout ça, ça y va de l'image, de la culture. Du pays, bien sûr. C'est en cela qu'on dit qu'on est ambassadeur. On n'a pas la corde de popularité pour faire du désordre. Quand on a une corde de popularité, on devient la voix des sans-voix. On est un Paul Flambeau, on est celui par qui le peuple doit s'exprimer, au fait. Voilà. Comme pour l'instant, les gens ont encore de la considération pour ma personne. Quand je sors, je vais dans le coin. Même quand parfois les managers se jouent les aider, c'est le propriétaire même du bar qui me reçoit. Moi, j'ai eu cette grâce-là, j'ai dit Dieu merci. Il n'y a aucune cabine dit jockey qui me sera un peu truc. Sauf si moi-même je ne vais pas. Tu vois un peu l'esprit. Donc pour l'instant, comme pour l'instant, les gens ont encore de la considération pour mon même personne. Je profite de cela pour interpeller aussi mes collègues artistes à apprendre aux fans à acheter des œuvres. Nouvelle sortie, bientôt tu ris, matin tu vas aller sur Facebook. Tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Maintenant, je te montre un peu un petit teaser du tournage du clip. Il y a au moins 40 danseurs. Chaque danseur prend 30 000. Faut calculer. Chaque danseur prend 30 000. Ça n'a rien à voir avec le per diem pour les répétitions. Il faut calculer. Ah, c'est pas petit argent. Hein. 4 fois 3. Ça fait déjà 100. Ça fait déjà. Attends, mais. 2 millions. Oui, c'est ça. C'est... Ça n'a rien à voir avec le réalisateur. Parce que l'artiste veut donner de l'engouement à son truc. Tu dis, bon, ok, je prends le marché. Tu vas voir la mairie, tu vas voir la police. Les jeunes qui gèrent le marché, là, tu vas les voir. C'est pas bonjour, bonsoir, mais c'est pas je m'appelle Francky DiCaprio. Non. C'est de l'argent qu'on met. Et quand tu finis tout ça, que des bouviers se mettent sur Facebook pour te parler comme ils veulent, tu gagnes quoi? Et en plus, c'est là encore, tu te promènes de bas en bas, comme un clochard. Bon, tu gagnes quoi? Et en plus, c'est là encore, un ami a dit s'asseoir sur Facebook, il parle de toi, mais attends, c'est... Attends, mais c'est... On est où? Là, on est dans quoi, Hamzi? Là, on est dans quoi? En fait, 10 ans maintenant qu'on est dans la caille. Il y a plein qui fait. En ce moment, il y a nos gars qui fêtent les 10 ans. Tu vois? Pour moi, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, en 2018. 2007, 2010, ça fait 11 ans aujourd'hui. Mais toutes ces années-là, ce n'est pas pour venir pour acquérir une expérience. Tous ces pays, toutes ces nationalités, toutes ces ethnies, toutes ces personnes côtoyées, ce n'est pas pour venir. Non. C'est pour apporter son expertise, son plus dans le game. Pas pour venir dégrader le game. Il y a des artistes qui ont été par pitié qui ont moussé en Côte d'Ivoire ici. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. J'ai pas envie de dire le nom, mais les personnes savent de quoi je parle. Par pitié. On dit vous là, vous êtes trop humilié, maintenant vous allez mousser. Il ne faut pas qu'ils oublient. Les Ivoiriens en avaient marre de leur souffrance. Oh, on n'humilie pas quelqu'un comme ça. Ah non, voilà, non, tu supportes pourquoi tu mousses. Et quand c'est comme ça là, reste tranquille.
pas t'oublier. Moi, je m'oublie jamais. C'est pas que je m'oublie jamais qui me prend toujours au sérieux. Et je vais toujours me prendre au sérieux. Que ça me déplaise au camp adverse. À qui ça, il n'a qu'à faire de ça ce qu'il veut. Sur le podium, il y a ma foule, je prends mon ami, rentre à la maison. Tu as besoin de moi, tu me payes. Tu n'es pas mon ami, rien. Tu veux me voir, tu me payes. Même quand je me dis, oh, ma go fait anniversaire, machin, fait une vidéo, dans machin, il réfléchit pour voir ce que j'ai gagné. C'est de l'argent, c'est de l'énergie, c'est des temps de prière, des temps de passion qu'on a mis dans pour être là-bas. C'est pas du jeu. Le Zocoto est vendable et doit être acheté. L'arrangeur a pris son temps. Bébé Philippe a pris son temps et s'est assis. La guitare qu'il a jouée, c'est une guitare spirituelle. Ce n'est pas la guitare à deux balles. En fait, ça ne vient pas. Ça ne vient pas comme ça. L'œuvre de l'esprit, ce n'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, il a joué cette guitare-là, mais il y a combien d'années l'enfant il souffrait pour apprendre à jouer à la guitare? Ça doit être payé. C'est les choses qu'on doit encourager. Ils sont là, beaucoup réveillés ici. Il faut les voir, en train de payer, passe 2500 pour aller insulter. Il ne peut pas payer morceau 600 francs. Mais vous vous plaignez, aujourd'hui, vous vous plaignez de manquer des artistes font du, fassent du SOS. Quand tu es un artiste, là, ton rythme de vie change. Même si tu en sais quelque chose. Alors, quand tu es un artiste, tu passes comme ça, là, tu as laissé au moins, tu as laissé quelque chose à quelqu'un. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Est-ce que lambda, il sort, il a 10 000 francs à poche, il rentre à la maison. Mais moi, je vais me placer dans la gueule, il m'a dit, mais vraiment pas dit. Les filles, 2 000, les filles, 3 000, tu peux dire à quelqu'un, fais-moi un transfert. Il était, donne-moi Orange 5 000, fais-moi Orange 10 000. Tu vas me dire, non, fais-moi Orange 1 000. Il va dire, mais c'est qui ce gars-là? Au fait, ton niveau de vie change. Donc, si tu dépensais 1 million par mois, tu vas te retrouver à dépenser au moins 10 millions, au moins 8 millions par mois. C'est comme ça. Quand tu es un artiste, c'est comme ça. Donc il faut que tu gagnes de l'argent. En plus de ça encore, vous dégradez le mouvement. Qui est encore sur un pied, vous dégradez. Pour votre propre popularité. Une popularité qui n'a pas de base. En communication, on appelle ça du brouillard. C'est comme il y a eu un effet de bourse rapide et puis c'est passé. Un effet de paille. Paille. Et c'est passé, hein. Mais il y a l'image qui reste dans la tête des gens. Donc il faut que les gens apprennent à acheter. Le Zocoto, il n'est pas encore sorti. Gratuitement. Si tu aimes trop la musique et tu veux écouter Zocoto, va sur iTunes, va sur Spotify, va sur Deezer. Tu kiffes. Tu kiffes. C'est rien, c'est 8 euros, 1 euro 3. C'est vite fait. Tu as sacrifié un gars du jour. C'est tranquille. Ça me permet moi à financer encore d'autres projets. Parce que après Zocoto, 2 mois après, j'ai un son qui sort encore. Dieu merci, j'ai déjà fait le clip du son. Mais comme c'est un concept, je lance d'abord le concept, la danse, avant de sortir d'autres clips. Mais même quand tu envoies les clips, tu déposes. Hein. Tu penses que tu vas déposer le clip aux gens qui n'ont rien à faire. Qui n'ont qu'est-ce qu'ils ont à foutre de toi? Les gens, c'est leur travail, ils ont mené quelque chose aussi. Tout le monde a un prix. C'est pas les graviers qu'il faut payer, c'est avec de l'argent. Tu as gagné l'argent là-haut. Tu as gagné l'argent. Tu te promets derrière les gens. C'est ça un artiste pour gagner l'argent? Non, pas du tout. Ça c'est pas une vie ça. Allô mon vieux. Allô mon vieux, c'est comment? Faut me faire rien monnaie. C'est ça un artiste. Personne ne me verra faire ça dans ce pays-là. Jusqu'à ma tombe. Ou je suis un artiste ou je ne suis pas un artiste. Je vais vivre de mon art. Il faut que l'artiste vive de son art. Mon gars, et je te dis ça aussi, tu sors un son aujourd'hui, arrête de mettre sur Facebook cadeau. Faut arrêter Ramzy. Arrête. Arrêtez ça. Arrêtez de faire cadeau, de vous donner cadeau aux gens. Arrêtez, tu sors ton son aujourd'hui, tu lui as dit, ah le son sortira tel jour sur telle plateforme de téléchargement. Les gens, il faut que les gens aillent payer. Quelqu'un qui paye passe 2500 francs pour une heure directe. C'est pour être top, c'est vite fait. Hein, beau? Ouais, elles sont de 3 minutes. C'est de 3 minutes, c'est vite fait. Et puis, la leçon à vie. Un mois après, c'est sur YouTube. Bah, YouTube, c'est français. Français, tu vois. Donc, un mois après, c'est sur YouTube. Il y a tout le monde qui fait sur YouTube. Tu vois, c'est un peu ça le bail, quoi. Super, super. Donc, aujourd'hui, là, tu es dans la pré-promo et tout ça. Comment est-ce que le son se comporte sur le terrain? Super.
Bon, les gens ont adhéré, tout. Officiellement, il n'est pas sorti. Il y a plein de gars qui cherchent le son, qui n'ont pas le son. C'est pas sur YouTube, rien. C'est que sur les sites, déjà, il y a une semaine. Mais quand je suis dehors, quand je suis avec mes chorégraphes, sur scène, les gens apprécient. Voilà, les gens apprécient beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la télévision, comme il a dit, il faut aussi que la radio suive. Mmh. Eux aussi doivent suivre parce qu'il faut que le terrain aussi se manifeste. Tu vois un peu l'esprit là. Donc voilà, c'est tout un travail. Quoi. C'est tout un travail. Et on confie tout à Dieu. Voilà, on confie tout à Dieu. Donc là, le clip est fini et tout. Voilà, tu attends maintenant qu'il finisse, qu'il t'envoie maintenant le. Le projet, il est avec moi sur la clé. Je balance le clip à qui je vais balancer le clip. J'attends juste les mails de confirmation, les mails de retour. En fonction de ça, je vais maintenant donner la date officielle de la sortie sur YouTube. Pour ceux qui aiment la gratuité, là. Ceux qui aiment voir les artistes dans la pauvreté, là. Ils vont aller sur YouTube, mais ils vont aller sur Facebook. Pour y aller. Ah, mesdames et messieurs, on est toujours avec Franck DiCaprio, l'artiste qui se prend très au sérieux, mais les gens disent qu'il est gonflé. Bon, on ne comprend plus rien. Alors, Franck, dis-moi. Voilà, l'émission tire à sa fin. Voilà, je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets qu'il fallait aborder. Si on voulait aborder d'autres sujets, c'est demain matin, on va quitter ici. Voilà. Donc, dis-moi, la caméra est là. Tu regardes tes fans et dis-leur ton mot de fin. Yo, chers fans, on est là, on charbonne toujours, on est toujours sur le chantier, on taffe à fond. Voilà, on a commencé jeune au début, à faire des choses comme ça, mais pas. Aujourd'hui, on a acquis des expériences, plus de 10 ans d'expérience, c'est pas pour jouer les bougnoules. Voilà, c'est pour encore vous apporter quelque chose de plus limpide, de plus fort. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de soutenir, donner la force aux artistes. Voilà, ne rentrez pas dans les histoires du passé. Tout est, c'est du passé. Maintenant, on passe à l'avenir. L'histoire des personnes et autres, c'est n'importe quoi. Donc, kiffez les sons, allez sur YouTube, allez sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer. Et partagez les publications des artistes. Abonnez-vous à la page de Franck DiCaprio, à la chaîne YouTube de Franck DiCaprio. Alors, c'est tout ce que je vous demande. Et puis bon, voilà, à tous les artistes, à tous les petits frères, les gars, apprenez à vous comporter comme des artistes. Apprenez un peu à vous prendre au sérieux. Ok, les gars, c'est un peu le conseil que je viens de donner à tout le monde. Et puis ensemble, toujours le respect mutuel, c'est très important dans ce qu'on fait. Prenez soin de vous, voilà, et puis le Zocoto. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était l'émission Fafa avec votre MC serviteur Ramzy, le Danré, toujours Danré. Merci de nous suivre, merci d'aimer cette émission, merci de nous envoyer des messages, des suggestions et tout. Franchement, voilà, nous vous remercions pour cela. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram, le Danré Official, pour m'envoyer vos questions, pour m'envoyer vos suggestions et on va traiter ça comme il se doit. Voilà, merci de nous suivre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, sur Ivoire TV Musique, canal 209. Merci beaucoup et on est ensemble. Vous aviez celui-là même qu'on appelle Soko Soko à la supervision. Vous avez comme cadreur M. William Santiago. Il réalise l'émission, on l'appelle le Chomba, Roland le Benguiste. On est ensemble, c'est Ivoire TV Musique, Fafa, toujours. Ciao.